Good morgen, allez, Idan et Sussre aujourd'hui le Nishmat Dov, Ben Yudit et Vetaramon Ben Chedva, Chaya Esther Bat Miriam, Yitzhak Perez Ben Fortuna, Chaya Michel Ben Sultana. Si vous souhaitez, vous aussi déjà une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sechat Shabbat, Perikut, Bet Mishnah, Bet Haro, Achorech Kolchehu, Amenakesh, Vamekarsen, Vamezared Kolchehu, Chayav. Amenaket Etzim, Imletaken Kolchehen, Imlehesek, Kedele Vachel Beitzakala. D'abord, je situe la Mishnah. On a, depuis le début du Perek Yudbet, ça y est, on a fini avec l'interdit de Hotsar, on commence à découvrir toutes sortes de Melachot. Selon, on a expliqué hier pourquoi on a commencé avec Bonnet, l'interdit de construire. Concrètement, une fois qu'on a, introduit l'interdit de Bonnet et construire, on avait vu que, de manière générale, pour tous les travaux interdits à Shabbat, il faut une quantité requise conséquente qu'on va découvrir tout au long de chaque melacha, quelle est la quantité requise. Pour l'interdit de bonnet, on avait vu qu'il y avait même un tout petit peu, kol shehu, même une petite unité, uniquement, on transgresse déjà l'interdit. Du coup, la Mishnah Bet continue en emportant encore d'autres melachot, où on transgresse l'interdit, même si on fait une petite quantité infime, à la différence de toutes sortes d'autres melachot, où on verra. Oui, il faudra une quantité plus importante. C'est pour ça qu'on on va parler ici maintenant de Choresh. C'est la deuxième interprétation du Tosfot Yom Tov que je vous ai dit. Et je commence à traduire directement. Achoresh Kolchehu. Celui qui va labourer même Kolchehu, même une petite quantité. Plus précisément, la Gemara elle précise, on parle une quantité suffisante de quoi planter une graine de citrouille, de dlaat. Ok? C'est déjà une quantité importante. Quelqu'un, selon la règle qu'on avait appris hier dans la Mishnah précédente, que dès qu'on a une quantité suffisante, conséquente, qu'il n'y a rien à rajouter dessus, que l'usage, il est qu'on voit des gens qui le font, parfois ça arrive de planter une seule graine, eh bien on transgresse l'interdit de planter. D'accord? Hamenakesh vamekarsem vamezared kolchehu chayav. Encore trois autres cas de figure qui sont. Menakesh, c'est défricher, je crois que ça se dit en français, c'est qu'on supprime les mauvaises herbes. Barthénois rapporte que le premier pirouge de Barthénois, il nous dit les herbes qui sont sèches, qui sont les herbes sauvages, et on les arrache avant de planter son champ. Si tu arraches même une seule herbe sauvage, en cet endroit-là, tu as préparé le terrain pour pouvoir le planter, le labourer, et tu as transgressé l'interdit de Shabbat de Choresh. De Choresh, ouais, c'est le même principe. C'est un dérivé de Choresh, c'est-à-dire d'enlever les mauvaises herbes, c'est un dérivé de Choresh parce que c'est le principe de préparer le terrain pour le labourer. Hamekarsem Bamezaren, cette fois-ci, on parle de quelqu'un qui élague un arbre, il va couper des branches. C'est deux types, en fait, de travaux qu'on fait. Soit Hamekarsem, c'est qu'on coupe les branches sèches, d'accord? Ça affaiblit l'arbre, ça lui rajoute du poids pour rien. Ça, c'est quand c'est Hamekarsem. Et Mezared, c'est au contraire, c'est lorsqu'il y a le printemps qui arrive. Donc les arbres vont sortir de nouvelles branches, et des fois des arbres qui se mettent à faire sortir trop de nouvelles branches. Et trop de nouvelles branches, ça défavorise son bon développement. Au lieu de concentrer toutes ses forces sur quelques branches et bien les nourrir, il tire un peu partout, c'est un peu comme quelqu'un qui va se mettre à tout apprendre en même temps. D'accord? Bonne leçon morale. Donc Mézared, c'est ça l'interdit de Mézared. Mézared, c'est donc pour que l'arbre pousse bien, il va lui couper plusieurs branches, comme ça il va se concentrer sur, il va concentrer ses forces sur quelques branches uniquement, qu'elles vont mieux pousser, et voilà. Donc tout ça c'est des interdits cette fois-ci à cause de, pas Choresh, mais Zoréa cette fois-ci. C'est qu'il va favoriser leur pousse. Dans tous ces cas de figure, même Kolchehu, même un tout petit peu, il est khayab, c'est-à-dire même s'il y avait une seule branche que tu l'as coupée, même elle était petite, tu l'as retirée, tu as favorisé l'arbre, c'est une quantité de travail assez conséquente, qu'il est d'usage de faire, même lorsqu'elle se présente. Et idem aussi pour le Mézaret, même si tu as coupé une seule petite bandit. Hamelaket Etzim. Maintenant, on passe à un nouveau sujet. On parle de celui qui va être Melaket Etzim, celui qui va ramasser des bois. D'abord, je traduis. Imletaken, s'il veut réparer, c'est-à-dire il veut préparer le terrain, améliorer le terrain pour qu'il puisse ensuite le labourer. Dans ce cas-là, l'interdit, ce sera Kolchehen, sur le même principe précédent. Que pour tout ce qui va considérer la préparation du terrain pour planter, ou même le creuser, et ben on transgresse ça, même si c'est de quoi planter une petite graine. Donc là, le même principe, Kolchehen aussi. C'est-à-dire, il y avait un bois qui était posé, que maintenant, en cet endroit-là, c'était pas pratique pour labourer, tu l'as ramassé, alors
Là, maintenant, tu as favorisé, tu as préparé le terrain pour pouvoir le planter ici. Tu as transgressé l'interdit. Ça, c'est si l'intention, elle était de préparer le terrain. Donc, tu as transgressé l'interdit de Roège, de nouveau. Ramasser des saletés qui traînent sur le champ pour qu'ils puissent bien pousser, on transgressera toujours l'interdit de Roège. C'est le même principe. On prépare le terrain pour le planter. Par contre, si c'est Imlehesek, si tu les as ramassés dans l'intention de les brûler, c'est-à-dire tu cherches en fait des brindilles pour pouvoir faire chauffer quelque chose, des bouts de bois en fait, qui sont secs, que des levachel beitzakala. Alors là, il faudra une quantité plus conséquente. Tu transgresses à l'interdit que s'il y a de quoi faire cuire un œuf facile. C'est-à-dire, comme ce qu'on avait appris plus haut, en fait, on a cherché l'aliment qui cuit le plus facilement. C'est l'œuf de poule, l'œuf de coco, comme ce qu'on a, quoi, qui est cuit et prendre la quantité requise de bois pour pouvoir faire cuire un volume d'une goguerette, d'une figue d'œuf. D'accord? C'est pas la peine de faire un œuf entier, ça suffit qu'une quantité d'une figue. D'accord? Donc là, c'était pour l'interdit de Melaket. Quel est l'interdit de Melaket, concrètement? Celui qui va ramasser des bois, on a dit que c'est des bois secs. Maintenant, il propose deux interprétations, en fait. Est-ce qu'on parle... comme ça, c'est proposé, quoi. Là, je suis le pshat du rapport aussi d'Antifa d'Israël, qui est plus facile à expliquer, en fait. On transgresse, on ramasse des bois qui sont secs. Quel est l'interdit de ramasser des bois secs? Si toutefois... Alors on a dit, soit on transgresse l'interdit de préparer le terrain, mais si toutefois tu n'as pas l'intention de préparer le terrain, parce que par exemple, c'est pas un terrain que tu vas labourer ici. Alors quoi? Là on transgresse l'interdit, il faudra nécessairement transporter une quantité de bois suffisante pour faire cuire, comme ce qu'on a dit. Quel est l'interdit de ramasser ces bouts de bois? Enfin, il y a du bout de bois des bouts de bois par terre, je n'ai pas le droit. Moukhtse, c'est pas interdit par la Torah. Alors quel est l'interdit? L'interdit, c'est un interdit de mehamer, rassembler, faire un tas. Il faut savoir... Un interdit, la quatrième, Zoré Achorech Kotzer, Mehamer, la quatrième des 39 travaux, c'est Mehamer, rassembler des végétaux, des produits agricoles, là où ils poussent, je les rassemble pour en faire pour l'amasser. C'est-à-dire, si j'ai mes pommes qui se renversent à la maison, j'ai le droit de les ramasser, il n'y a aucun problème. Mais si toutefois, avant Shabbat, je suis parti secouer mon pommier, comme ça, toutes les pommes, elles tombent. Je n'avais pas le droit de ramasser, je me suis dit, c'est pas grave, on viendra demain, on les ramassera. Et qu'on vient le lendemain et on ramasse tous les fruits, on transgresse l'interdit de Mehamer. Entre parenthèses, on a vu l'histoire de Tselefrad. On a vu l'histoire du Mekoshe Shetzin il y a 2 semaines, dans la parashat Hashavua, pour les Français la semaine dernière, et les Français qui ont la chance d'écouter la Kriyat HaTorah. C'est pas évident à notre époque. Mais on a lu la parashat du Mekoshe Shetzin. Un des avis du Mekoshe Shetzin, c'est de dire qu'il est parti ramasser des fruits. Il a fait l'interdit de Mehamer, ramasser des bois. Ensuite, ça c'était pour le donc l'interdit de Melaket Etzim de ramasser des bois. Maintenant, à Melaket Asavim, celui qui va ramasser des herbes, alors de nouveau, même principe, et des herbes qui traînent. On va considérer que ces herbes, elles sont coupées, elles sont posées, jetées par terre. Imnetaken, c'est aussi pour préparer le terrain pour qu'il laboure. Alors, Kolchéou, de nouveau, dès que tu vas même un petit peu, que maintenant, dans un endroit, c'est devenu apte à pouvoir planter là-bas une graine, je suis dans un interdit de. L'interdit de donc ça va être une préparation à labourer, donc c'est un degré de labourer. Kolchou. Par contre, si c'est Imla Behema, si c'est par contre pour les ramasser, pour les donner à manger à un animal, alors là, dans ce cas-là, il faudra la quantité requise pour les herbes. C'est qui mange des herbes? C'est Kemelo Pig dit de quoi remplir la bouche d'un petit chevreau. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui, c'est une journée pleine de Hatzlacha Koltou, ça.